Après l'effort, le réconfort. C'est dans cette logique que s'inscrit cette soirée de réjouissance et de réflexion du réseau Ousmane Traoré ce samedi. Autour de grands noms de la scène musicale du Septentrion et en présence de Ousmane Traoré, président d'honneur du réseau Ousmane Traoré, la fête était tout simplement belle. J'aimerais rendre un hommage mérité à un homme qui m'a fait confiance en me mettant à la tête du bureau exécutif national du ROS. Excellence, Monsieur le Président d'honneur, soyez infiniment remercié. Comment ne pas à nouveau saluer la détermination, l'engagement, le courage et la persévérance vivace qui anime tout un chacun de vous. Le réseau Ousmane Traoré, c'est l'entrepreneuriat des jeunes. Le réseau Ousmane Traoré, c'est l'autonomisation de la femme. Le réseau Ousmane Traoré, c'est la solidarité régissante. Le réseau Ousmane Traoré, c'est la construction d'un Bénin révélé et émergent. Nous avons eu à mener plusieurs activités, à savoir des formations gratuites en informatique dans différentes catégories, à savoir le secrétariat, montage vidéo, cadrage, maintenance, etc. Nous avons eu à organiser la fabrication du savon liquide, savon boule, savon cosmétique. Prenant la parole, Ousmane Traoré reconnaît à juste titre l'effort des différents responsables du réseau Ousmane Traoré. J'ai compris qu'ils ont décidé désormais que le réseau travaillera dans le développement. Parce qu'ils ont compris qu'il n'y a que le traitisme dans la politique et qu'on peut développer sa commune ou son village même en n'occupant pas un poste politique. Je leur tire chapeau pour cette décision. Ce qui est vrai, nous avons à ce jour un bilan élogieux, malgré que nous ne sommes ni députés ni ministres. Nous ne nous proclamons pas victorieux, mais nous sommes en train d'être fiers d'avoir été ceux-là en réalité, au fond, qui ont accompagné les actions du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Des gens impopulaires sont autour du président Patrice Talon dans la 8e circonscription électorale et qui utilisent des parcelles du pouvoir du chef de l'État pour faire mal à son peuple. Mais nous leur dirons désormais, nous n'allons pas les concurrencer dans la politique, qu'ils continuent dans leur politique et qu'ils nous permettent de continuer dans le développement que veut le chef de l'État. Un certificat d'honneur a été décerné à Ousmane Traoré pour encourager ce dernier à continuer dans sa vision de contribuer activement à l'épanouissement et à l'autonomisation de la jeunesse béninoise. Plus proche de vous, CNTV Bénin, bureau de Cotonou, InfoLine, 66 37 54 44.